Eh bien, salut à tous, c'est Tsirak, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais juste rager sur Rockstar. Donc si vous voulez avoir de la positivité, je sais pas si ça se dit, mais bref, quittez la vidéo parce que je vous jure, aujourd'hui, c'est que du négatif que je vais dire. Donc franchement, Rockstar, ils ont fait un truc genre avec leur nouvelle version PS5. Et j'ai envie de casser leur daronne. C'est-à-dire que j'ai envie de prendre le gars qui a fait ça. J'ai envie de le prendre, de le pousser dans la rue, tu vois. Et genre le pousser au moment où il y a un bus qui traverse, comme ça il se fait écraser, tu vois. Genre c'est à ce point-là que j'ai la haine, genre. Non mais pour de vrai, je rigole, je vais pas faire ça. Mais vas-y frère. Rockstar, il casse les couilles, wesh. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est je vais en parler tout de suite. C'est que pour accéder, mais en fait je peux pas accéder au Rockstar Editor. Donc quand je fais flèche de bas, il n'y a pas le truc pour accéder au Rockstar Editor. J'ai vu ça, j'étais en mode wesh, c'est quoi ce bordel? Et en fait ces petits filous, c'est le petit fils de pute, comme je vous dis, le petit fils de pute qui a eu cette idée, j'espère il s'est écrasé. Les petits filous, ce qu'ils ont fait en sorte que vous devez acheter le mode histoire pour accéder au Rockstar Editor. Donc franchement, Rockstar maintenant ils sont devenus EA Game là. C'est des rats frère. En gros, je dois payer 10 balles le mode histoire que j'ai fait deux fois de suite sur 360, sur Xbox 360. Je dois le racheter juste pour accéder au Rockstar Editor. Vous voyez un peu à quel point c'est des fils de pute. Et ça franchement, j'ai la haine. Genre vraiment, ça me casse les couilles parce que moi le Rockstar Editor, je l'utilise pour toutes mes miniatures. Donc là par exemple. J'étais en train de faire une miniature d'une vidéo, j'ai remarqué que je pouvais pas accéder. Ce que j'ai dû faire, c'est sortir le téléphone et prendre une photo comme ça. Mais frérot, c'est moche, c'est pas très beau en fait. Tu vois, ça fait un peu cheap comme miniature. Et ça, franchement, ça rend fou. Donc franchement, la personne qui a créé ça, si tu regardes cette vidéo, nique ta mère la pute. Parce que franchement, t'es un vrai enculé. Et si c'est un dirigeant de Rockstar, ben ta mère aussi. En tout cas, je sais qu'il y a un fils de pute qui a eu cette idée. Et t'es vraiment un enculé, frérot. Donc voilà, les gars, c'était tout pour cette vidéo. Et franchement, ça me casse les couilles. Parce que là, en fait, faut que je débourse 10 balles pour faire une miniature. Et ça rend fou, en fait. Et en plus de ça, j'étais en mode, vas-y, je suis chaud que je le fais. Je suis allé sur ce. J'ai essayé de mettre mon compte PayPal sur la Play. Et ça marche pas. J'ai envie de casser mon écran, frère. C'est-à-dire que je suis chaud, limite, payé. Mais même Rockstar, ils disent, voilà, tu vas pas payer, frérot. On dirait qu'ils veulent que. Mais là, c'est pas de la faute de Rockstar, c'est de la faute de Sony. Mais en fait, j'essaye de mettre mon compte PayPal, ça me dit. Et genre, j'ai fait tout le processus. Après, ça me dit, compte PayPal, impossible à mettre, ou je sais pas quoi, frère. Et franchement, j'ai envie de péter un câble. Donc, c'est ça, les refs. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous comprenez un peu ma réaction. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'était une bonne idée de Rockstar? Est-ce qu'ils ont juste oublié de faire en sorte qu'on pouvait y accéder? Parce que là, franchement, j'ai la haine, frérot. J'ai pas envie de débourser 10 balles. Et ensuite, Ouais, les refs, je galère à parler, mais en fait, ce que j'ai essayé de dire, c'est que même si je voulais payer, je pouvais pas le faire puisque je pouvais pas connecter mon compte PayPal. Donc, s'il y a quelqu'un qui est chaud de me partager son compte pour que j'ai accès au mode histoire, manifeste-toi dans les commentaires. Si tu le fais, frérot, je vais prier tous les jours pour toi, pour ton bonheur. Tu sais déjà. Et en tout cas, franchement, Rockstar, c'est des grosses enflures de faire ce genre de truc. Sinon, c'était tout pour cette vidéo. Rockstar, niquez bien vos darons. Et puis, c'est ça, les refs. N'oubliez pas de liker la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Commentez ce que vous en pensez. Frère et PNJ font exprès ou c'est comment, frère? Arrête. Allez, nique ta mère, wesh. Bref, les refs. C'était Tsiracht. Puis moi, je vous dis ciao. Oui, je les prenais pour des vrais. Mais en vrai, ils étaient faux. J'ai pas peur de dans ma tête, y'a que Dieu. Tu veux me tuer, fais-le. On était deux, on veut dollars et pour ça, on mettait le feu. J'ai pas peur de dans ma tête, y'a que Dieu. Tu veux me tuer, fais-le. On était deux, on veut dollars.